Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 26 septembre et j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué parce que j'ai eu du mal à me dire vas-y je filme ces temps-ci. Du coup là je reprends un petit peu, j'espère réussir à filmer un peu plus. Après j'ai pas grand chose de prévu donc voilà. Aujourd'hui bah comme d'hab je suis au taf. Voilà. Et ce soir, je vais dormir chez Cathy avec Lara parce que demain, on va au fort de Saint-Cyr qui est un bâtiment qui a été réhabilité en bâtiment pour le CNC. Et en fait, ils utilisent ce bâtiment pour numériser les vieux films. Enfin, je sais pas s'il y a que ça, mais en tout cas, de ce que je sais, il y a ça. Et du coup, moi, je vais aller passer la journée avec un monsieur là-bas qui travaille, qui va me montrer un peu ce qu'il fait, etc. Donc, ça va être très très cool. Coucou, voilà, hola. Pour le vlog. On est ici chez moi. Regardez cette cuisine comme elle est bien faite. Elle est belle. Incroyable. Incroyable. Et on va faire des cookies. Oui. On dira pas à quoi parce que c'est dans ce. Et maintenant zoom sur le chien. Zoom sur le chien, en fait j'ai peur de zoom sur le chien jusqu'à la fin du plan. Fin du plan sur la tête de Mimi. Mimi. Alors, un petit peu d'explication. On est arrivé au fort de Saint-Cyr avec Cathy. Quasiment instantanément, j'ai commencé à parler du coup avec le monsieur avec qui j'ai passé la journée. Et là, il me montre une machine avec laquelle il regarde les imperfections des pellicules. Donc, il va faire passer toute la pellicule. Et donc, il regarde s'il n'y a pas des rayures, des saletés, etc. Et donc, ensuite, il va la nettoyer avant de la numériser. Quand tu seras seul, Cora, je voudrais que tu aies mis la nourriture trop délicieuse. La sauce, le café. Ensuite, après m'avoir montré ça, on est parti faire un petit tour des locaux du fort. Donc, il m'a montré tous les stocks des pellicules et vraiment, il y en a énormément. Genre, je m'attendais pas à en voir autant. Je savais qu'il stockait les pellicules, qu'il les restaurait, qu'il les numérisait, etc. Mais faut se dire aussi qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas numérisés, qui étaient juste là, stockés. Et donc, il y en avait, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y en avait des milliers, des milliers. Honnêtement, j'avoue que je lui ai pas demandé combien il y en avait. Mais ouais, il y en avait beaucoup, beaucoup. Ensuite l'après-midi, il m'a montré ce qu'il faisait une fois que les films étaient numérisés. Donc il recadrait l'image, il refaisait l'étalonnage, il synchronisait le son avec l'image, etc, etc. Et donc à la fin de la journée, j'ai moi-même modifié, monté un film et c'était vraiment trop cool. En plus de ça, à la fin, il m'a dit qu'il allait garder les réglages que j'avais fait, du coup j'étais très contente. Vous voyez la vue qu'ils ont quand ils mangent. Vraiment, c'était trop beau. Le cadre était magnifique. Juste avant de partir, j'en ai profité pour filmer encore le couloir. Mais donc, vous voyez, il y en a dans les couloirs et un peu partout, en fait. Quelques petites affiches. Et puis, on est parti avec Cathy. Et on a rejoint les copains à la Défense. Une bombasse. Excusez-moi madame, mais vous avez pas un sac nouveau là, super beau genre? Wow. Et des beaux cheveux bien rouges. Ah c'est pour ça que t'as envoyé la musique dans le groupe. Oui. Ok, attends. Ouais. Trop cool. Chin. Tu veux la sauce?
Joyka, on veut une formation. Est-ce que je peux avoir... Oh, gorge. Est-ce que je peux avoir... À toi. Toi, tu l'as, toi. Toi, tu l'as, toi. C'est le sourcil, le soleil, pour moi. Elle m'a soufflé dans mon expression de regard. Elle m'a fait... Alors, c'était pas du tout prévu, là j'étais en train de rentrer chez moi, mais j'ai vu que Kautar, elle était à Saint-Lazare, du coup, bah là je vais rejoindre Kautar et elle va manger, et après on va rentrer tranquillement dans notre ville, parce qu'on habite dans la même ville, donc je serai déjà plus tranquille dans les transports, et en plus ça me permet d'avoir vu mes copains, Cathy, Lara, Jani et Tudine, et de voir Kautar dans la même journée, trop bien, je suis trop contente. C'est... On s'est rencontrés par hasard, vous vous rendez compte? J'ai raconté déjà en fait. En... Ah, c'est vrai, ben voilà. Je radote. Regardez mon outfit. Est-ce que. Admirez-vous. Mais où t'as acheté qui va? Ça va, c'est pas trop stylé. J'aime trop, par contre, il est sale là, mais c'est trop stylé. Oui, c'est pas le des cracras. Ça se voit pas là, quand même, t'inquiète. Hello, on est jeudi 29 septembre et aujourd'hui, bah comme d'hab, j'avais la flemme d'aller au taf, mais là maintenant je suis motivée, j'ai envie de réorganiser un petit peu, genre les étagères et les portants. Du coup, je vais faire ça, j'ai encore des articles à mettre en ligne, mais je trouve que pour que je puisse bien mettre les articles en ligne, j'ai besoin que tout soit rangé, comme ça je suis sûre de ce que je fais. Donc voilà, je vais faire ça. Alors, je sais plus quoi était la dernière fois que j'ai filmé, mais là on est dimanche 2 octobre et je m'en vais à IKEA avec mon papa pour aller m'acheter une petite bibliothèque que je vais pouvoir mettre ici. Donc si vous vous rappelez, ici avant il y avait mon meuble à vinyle, mais comme on l'a décalé dans le salon qui est là-bas, là maintenant il faut que je me mette une bibliothèque parce qu'avant il y avait une bibliothèque dans le salon, mais on l'a enlevée pour mettre la platine vinyle. Voilà, donc je vais m'acheter une petite bibliothèque et quelques petits trucs dont j'ai besoin à IKEA. Alors hier je suis rentrée et je n'ai pas monté les meubles parce que bah j'avais la flemme, j'étais fatiguée. Comme ça s'entend, je suis aussi malade, j'ai mal à la gorge, je fais que tousser, donc franchement c'est insupportable. On est lundi 3 octobre, ça y est, c'est bientôt Halloween. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir mes potes pour Halloween et d'être déguisée. Il faut que je commence à préparer mon costume parce que en soi j'ai la tenue. Mais il me faut des fausses dents de vampire, il me faut du faux sang et il me faut des lentilles. Je m'en vais au travail et puis je vous retrouve tout à l'heure pour monter le meuble. Aujourd'hui, je dépasse encore une fois mon anxiété puisque je vais au cinéma toute seule. Et je vais au cinéma toute seule voir Don't Worry Darling, qui est le film avec Florence Pugh et Harry Styles. Et je vais le voir toute seule parce que tout simplement, les potes avec qui j'aurais pu y aller, elles l'ont déjà vu. Et mes autres potes, bah, ils n'ont pas forcément envie de le voir, donc je vais le voir toute seule. I'm gonna be a little bit of 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 a little
vous avez reçu un colis Vinted qu'on va ouvrir ensemble, bien évidemment, as usual. Du coup, je sais ce que c'est, évidemment, vu que c'est moi qui l'ai commandé. J'ai commandé une petite doudoune parce que j'avoue que commence déjà à faire froid alors qu'on est que le 5 octobre. Et en fait, les doudounes que j'avais avant, c'est plus mon style, j'aime pas. Donc, j'ai décidé d'en acheter une nouvelle afin que cela aille avec mon style. Alors, du coup, voilà la doudoune. J'espère qu'elle va être bien ma taille. Donc, en fait, c'est une doudoune de fast fashion, évidemment, malheureusement. Mais ouais, c'est une doudoune de chez Jennifer. Mais vu que je préfère acheter de la seconde main et que en général les gens ils revendent assez rapidement ce qu'ils viennent d'acheter, je trouve ça un peu bête. Genre, essaye en magasin plutôt que de revendre, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, petite veste. Ouh, c'est un peu serré au niveau des bras. Est-ce que je vais pouvoir la fermer? Oui, voilà. Ah ouais. Ah, j'aime trop, j'aime trop. Et je viens de voir en fait que j'ai des élastiques à l'intérieur ici. Du coup, si c'est trop serré au niveau de la taille, je peux desserrer un peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon alors, la danse. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Vous faites quoi pour l'instant? On apprend notre première choré. C'est juste après, c'est 20 secondes à la fin de la danse. Mm-hmm. On fait... On apprend, mais le problème, c'est juste de retenir tous les pas. Bah ouais. Et en fait, on a repris tous les pas, enfin quelques pas qu'on avait appris. C'est juste qu'on en a appris deux de plus. Le pas de valse. Ouais. C'est facile, ça, le pas de valse. Non, on n'y arrive pas, c'est galère. Dès que Véro, elle le fait plus, elle nous dit de refaire, on n'y arrive pas. Ah ouais? Alors, on est samedi 8 octobre et je vais me préparer pour aller à l'anniversaire de ma tata. C'est ses 40 ans aujourd'hui, donc voilà. Et je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis super longtemps, depuis au moins la seconde. Je vais boucler mes cheveux, ça va faire très bizarre, mais c'est parti. Plus jamais vous ne me reverrez comme ça. Ça y est, on est rentré de l'anniversaire. Les boucles ont bien tenu, franchement. C'était vraiment trop cool, on s'est grave bien amusé. Et voilà, c'était une très très bonne soirée. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!